Salut à toutes et à tous, c'est Chicken Warrior. Dans cette vidéo, je vais vous faire la review de la lunette de visée de sniper airsoft démoniaque 4x32 achetée à 40€ à Marseille. Je suis en vacances, alors je l'ai achetée à Marseille. Alors, la boîte est comme ça, on l'ouvre par dessous. Voilà la lunette, la boîte. Alors dans la lunette il y a une clé pour dévisser les rails, dévisser, voilà. Et le manuel pour le manuel pour régler la lunette. Pardon. Alors la lunette, voilà. Et avec des caches lentilles, hein, qui changent la couleur en jaune. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Alors, démoniaque 4x32. Alors, c'est une lunette tout en noir, full métal, sauf les petits caches pour régler. Sont en plastique. Pardon. Alors, je vais vous montrer comment on voit à l'intérieur. Alors, là. Voilà. C'est une croix basique, hein. Grossissement 4x32. Alors je conseille cette lunette pour les snipers, mais aussi on peut les fixer sur toute réplique qui a un rail RIS basique. Voilà, on va revenir. Voilà pour la lunette. Alors pour le manuel pour le régler. Regarde. Alors, mode d'emploi, je sais pas si vous voyez, non je crois pas. Alors je vais lire un passage. Hein. Alors, installation. Votre lunette doit être correctement installée pour assurer la précision optimale de votre réplique. 1. Utilisez un support de qualité ayant une embrase conçue pour votre type de réplique. La lunette devrait être installée ainsi aussi près que possible sans toutefois venir en contact avec le canon ou la réplique. 2. Suivez scrupuleusement les instructions fournies avec le support choisi. 3. Avant de serrer les brides de serrage de la lunette, regardez à travers celle-ci dans votre position de tir normale. Faites glisser la lunette en avant et en arrière jusqu'à trouver la position la plus avancée qui vous permettra de voir la totalité du champ de vision. Cette position assure une détente maximale pour l'œil. 4. Faites tourner la lunette dans les brides jusqu'à ce que les fils croisés du réticule se trouvent perpendiculaires au canon et au curseur de haute, soit en position haute. Serrez les vis de blocage. Et voilà. Alors après, il y a la mise en point de la hausse et de la dérive. Je vais pas vous lire, ça va faire trop long. Le recalage du cadran gradué. Réglage du grossissement. Là, sur une 4x32, il n'y a pas de grossissement. Hein. Et objectif réglable et entretien. L'entretien, je vous conseille de mettre les caches lentilles. Hein. C'est un peu jaune, mais bon, c'est ça. C'est anti-rayure pour les lentilles. Voilà. Rien d'autre à dire. Hein. Voilà. Là, pour l'instant, j'ai pas encore mon sniper, qui est un AW308 que je vais acheter à La Réunion, parce que l'import est ramené dans l'avion, c'est interdit. Non, pas complètement interdit. Dans la compagnie que je vais voyager, c'est interdit. Alors, avec cet achat, j'ai acheté des billes 0,30 grammes en paquet bizarre en 1600 billes
des Q Airsoft. C'est pour, on m'a conseillé pour les, snipers. Hein. Plus mon sniper il fait 2 joules. Alors voilà. Bon. Bon ben j'espère que vous avez passé une. Vous avez. Oh là là. Vous avez bien aimé cette vidéo. Laissez un petit j'aime et un petit commentaire. Allez.